Oui, c'est pas totalement partir. On a encore ça un peu dans la tête. Et au jour d'aujourd'hui, on a un match qui arrive dimanche. Donc, on pense que on a fait beaucoup de choses positives dimanche. Il va falloir garder ça pour dimanche contre Lille. Et voilà, maintenant le match est passé. On se concentre pour les matchs à venir. Il reste des satisfactions, mais voilà, on a perdu 2 points à la dernière minute du match. Donc voilà, on a envie d'aller chercher ces points-là à l'extérieur dimanche. Et parce que on a pris 2 points sur les 2 derniers matchs. Et voilà, c'est 4 points perdus. Comme tous les matchs, j'aimerais jouer tous les matchs possibles. Mais voilà, après le coach, il fait ses choix. On le respecte. Et voilà, il m'a parlé. Je savais que j'allais entrer et essayer de donner le meilleur de moi-même. Oui, Lille, ça serait notre match. Et franchement, ça serait une faute un professionnel de notre part de plonger et de ne pas aller à Lille à 100% et de jouer ces matchs à fond. C'est vrai que je peux encore beaucoup mieux faire. Et j'ai travaillé tous les jours aux entraînements. Maintenant, le temps de jeu, je pense que ça va venir. La saison est longue et j'espère que j'aurai encore le temps de jeu que j'ai voulu. Je pense que devant le but, je suis un peu plus calme. Plus calme et voilà, ça me permet de prendre des meilleures décisions. Non, non, je regarde pas, mais voilà, si j'ai l'opportunité de jouer, j'aimerais être décisif pour l'équipe, ou par une passe d'air, ou par un but. À chaque match, j'ai fait mon mieux d'être décisif. Oui, c'est vrai qu'ils sont 19e en ce moment, mais voilà, tout peut changer très vite dans le football. Et on connaît bien le coach. Je pense que c'est un grand coach et il fait de son mieux pour que son équipe gagne des matchs. Donc, il faut pas les prendre à la légère et je pense que petit à petit, ils vont commencer à faire des bonnes choses, mais voilà, nous on est là pour gagner des matchs et comme je vous ai dit, on va aller là-bas à 100%.